police t'a mené opération contre certains moun exam yo présenté comme policier qui t'a en détachement avec un sénateur Nenel Kassi. La police derrière pour t'arrêter d'après information Radio Kiskeya t'a joint sous place et t'a gagne pile goutouache qui t'est parti caoutchouc t'est boulé et la police t'a voué gaz lacrymogène et pour te gayer manifestants. Voilà, il s'est passé lundi et d'après toute information reporter nous Gervais Ricardo Jean-Jacques te joigne et notamment ça est sous place. Premier coup de pied d'actualité internationale la peine dans Caracas capitale pays Venezuela. Un jour après Juan Guaido fin retourner côté Maduro pas arrêté alors que il était interdit sur le pas de droit quitter territoire, il tout fait une tournée dans Amérique du Sud non. Mais tout, il y a une belle couverture diplomatique, un pile diplomate européen et latino-américain, tu es là pour te protéger autour. Et eh bien, je dis, le gouvernement vénézuélien, qui est en tête de Nicolas Maduro, l'a annoncé, il a décrété ambassadeur pays Allemagne, qui est dans l'Union européenne, dans Caracas, persona non grata. Peut-être qu'il a accusé, il a fait ingérence dans les affaires intérieures pays Venezuela. Daniel Kreiner, c'est noni. Il était allé effectivement hier à l'aéroport international Caracas là pour accueillir opposant Juan Guaido qui t'a retourné sorti dans tournée sorti faire dans plusieurs pays dans Amérique du Sud là et d'après ça il a précisé diplomate là il a 48 heures de temps pour quitter Venezuela d'après ça gouvernement Nicolas Maduro a précisé dans Berlin capitale l'Allemagne réunifiée ministre affaires étrangères Allemagne Heiko Maas condamné décision sa Maduro prend, lui fait connaître ça pral contribuer pour envlimer situation et redit encore européen c'est derrière Juan Guaido campé. Que plusieurs autres ambassadeurs et diplomates européens et avec latino-américains qui étaient présents dans l'aéroport pour te accueillir Juan Guaido et d'après la loi vénézuélienne puisque il était gagné une interdiction pour pas quitter territoire était supposé arrêter depuis il était pied dans pays et Venezuela mais foule partisan qui était venu recevoir probablement Maduro était gon piège pour lui qu'on est la si gon moun nou brèche cheveux dans tête li pas doit racher c'est Juan Guaido Maduro comme ça donc par aucune arrestation qui fait l'autre dépasser yo quitter le passé dans l'aéroport et partisan avec diplomate qui a pas appuyé lio et pays qui a pas appuyé lio yo tout yo était venu recevoir et comme ça et décision justice non il passé en papier opposant ça nous connaît li déclarer tête li président par intérim mais pas pour compte li avec appui pays qui plus puissant gain sur planète là dans monde occidental là États-Unis et puis avec pays européens avec pays sud-américains et ça gain plus que un mois et monsieur fait connaître qu'on est là l'appuyer une grève dans administration publique là pour y envoyer Maduro aller la fois premier campé.